Yo les Marsouins, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Day of Infamy. Et comme vous pouvez le constater en bas à droite, le jeu est sorti dans sa version finale depuis le 23 mars 2017. Et je peux vous dire que depuis la dernière fois que j'y ai joué, c'est-à-dire pendant la bêta ou l'Early Access, les développeurs ont beaucoup bossé. Ils ont apporté pas mal de contenu, de nouvelles maps, de nouvelles factions, de nouvelles armes. Et en plus, il faut savoir que le jeu est ouvert aux modeurs. Et là, regardez juste ça. Le mode Born to Kill, Vietnam. Ils sont en train de bosser dessus, la bêta est accessible. Je vous présenterai ce mode dans une autre vidéo. En attendant, on va parler de Day of Infamy, Seconde Guerre Mondiale. Donc ça, c'est mon profil. Regardez pas les stats, parce qu'elles sont pas à jour. Hein. J'ai pas un kill ratio de 3 sur 15. Enfin, si, peut-être. Allez, on retourne à la main, à l'écran principal. Donc vous avez les practices, l'entraînement, tout simplement. Et là, vous avez le nombre de maps. 10 maps, c'est déjà pas mal, il y en aura d'autres. Le nombre de modes de jeu, il y a tout ça, donc ça... C'est des modes en coopératif, c'est-à-dire que vous allez jouer avec vos potes contre l'IA. Et franchement, je peux vous dire que l'IA, il est assez énervé. Et ça, c'est les modes PVP. Et ça, c'est des modes un peu spéciaux. Sabotage et Firefight, je ne les ai pas encore testés. On revient à l'écran principal. Les tutos. Les tutos, en fait, c'est tout simplement les vidéos que vous pouvez retrouver sur leur chaîne YouTube. La coopération, donc ça, voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est pour jouer contre l'IA. Donc là, vous pouvez aller directement sur les serveurs en coopération. Et bon, ce qui est le plus important, c'est le multiplayer, avec pareil, les différents modes de jeu. Moi, personnellement, je passe par les serveurs. En tout cas, moi, je peux que vous le conseiller. Le jeu est disponible sur Steam, et vous pouvez l'avoir un peu moins cher que sur Steam, sur Games Planet, sur mon lien partenaire. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous laisse avec du gameplay pur et dur. Bon visionnage, si elle est jeune. Oh! Bienvenue, ça veut dire ça. Bienvenue, bienvenue. Oh putain, la grenade. Je vais recharger. J'espère qu'il n'y a personne qui va arriver par derrière. Ah putain, j'en ai pris une. J'aurais dû faire un peu plus d'attention. Donc bienvenue sur Day of Infamy. Ce jeu, si vous ne le connaissez pas, il a été développé par les développeurs d'Insurgency. Et qui prépare d'ailleurs, pour courant 2018 je crois, Insurgency Sandstorm. Que j'attends impatiemment. Donc voilà, on y est. Seconde guerre mondiale, je suis du côté des Britanniques. Et nous combattons les Allemands. Et nous sommes sur la map de la Crète, le 20 mai 1940. Allez les mecs, oh ouais, je vois qu'il y a un Écossais avec nous. Putain, je vais recharger. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Oh putain, le lance-flamme. Oh l'enfoiré. Il avait trop speed. Oh, on est en train de reculer dur, dur, dur. Ils ont pris Alpha et Bravo. Il nous reste 8 vagues pour défendre et eux 6 vagues pour attaquer. Essayer de pas courir dans tous les sens, mais faut faire vite en fait, c'est ça le truc. Oh, c'est un pote, putain, j'ai failli le tuer. Ah non, c'était un pot. Un pot de fleurs. La précision avec cette arme là, c'est pas ce qui se fait de mieux. Hein. Mais bon.
Vu que la suppresse elle est super importante dans le jeu, faut pas hésiter à tirer quoi. Ah je voulais pas tirer, il y avait un pote, bon c'est bon. Ah non non putain merde. J'ai blessé un pote, il est passé au moment où j'ai tiré. Je crois que je l'ai pas tué mais bon. Allez faut se regrouper au point. J'y vais. En fait. Pour... Putain merde, laisse-moi monter. Pour que les copains puissent réapparaître, il faut se regrouper au point de regroupement. Qu'est-ce qu'il a fait lui? T'es un Allemand? Voilà, c'est bon. Il faut qu'on tienne Charlie. Alors, au cas où je devais le préciser, c'est uniquement de l'infanterie. Hein. Là, je vois, vous voyez des avions ou. Ou alors, vous allez peut-être voir des blindés. Il n'y a aucun véhicule qui fonctionne. Hein. C'est que des carcasses ou de la déco. Et là, j'ai avancé bêtement. Eh, c'est bon, on est revenu. Les Écossais, ils n'étaient pas en kilt pendant la Seconde Guerre mondiale. Southwest. Non, je passe pas par là, j'ai de mauvais souvenirs. Putain. Il m'a fait peur l'autre là-bas. Je passe. Heureusement qu'il avait son lance-roquette là, parce que sinon il m'aurait tué. Hein. Oh putain, j'ai pris quoi sur la tronche hein. Bombardement, je crois. En tout cas, on tient là, pour l'instant, on tient. Ils ont plus aucune vague pour attaquer et nous on va pouvoir réapparaître. Il y a le copain là, vous voyez, il est en train de se regrouper. Enfin, d'aller au point de regroupement. Et voilà, ça nous permet de réapparaître. Donc là, on a utilisé une vague. Hein. Allez, je vais passer par là. Franchement, les maps sont vraiment réussies aussi. Oh non! Dans son élan avec son lance-flamme, il m'a cramé et puis il a cramé un autre. Oh putain. Oui, ça va super vite, hein. Très punitif le jeu. Hein. Moindre balle, moindre brûlure, t'es cuit. Voilà. Merci Knoobie. Petite tranchée là. Vous voyez ce mur là, en fait on peut le péter si je dis pas de conneries. On va passer dans les bunkers. C'est bon, on a réussi. Donc là, on a gagné le premier round. Et on va passer au second round. Donc cette fois-ci, on va être du côté des attaquants, donc des Allemands. Donc là, j'ai le choix entre la Wehrmacht ou l'infanterie division. Je vais prendre l'infanterie division. On va prendre le lance-flammes. Führungsstelle verlangt, dass wir in diesem Gebiet durchbrechen. Arbeitet euch durch und zerstört die feindlichen Kommunikationsanlagen. Wir haben Unterstützung. Nehmt eure Funkgeräte mit, macht euch fertig. J'ai pas la petite flamme devant. Oh, je pense qu'il va ouvrir le petit tuyau là. Ah si, c'est bon. Allez. On va essayer de faire des kills au lance-flammes. Donc là, cette fois-ci, on est du côté des attaquants. Ça se passe en deux rounds gagnants. Oh les glissades. J'ai jamais remarqué. Le truc c'est que moi pour l'instant. Putain. Arrose. Vas-y, allume la fenêtre. Vas-y, on va progresser là. Ouvre la porte, ouvre l'entrée. Bon dans le doute hein, je savais pas s'il y avait du monde mais bon moi je me pose pas la question. Faut aller vite là. Ah putain, j'en avais eu un. On y retourne. Vous entendez là quand je marche? C'est terrible. Je me suis fait cramer par qui là? Ah, je pense que je me suis fait tirer dessus, du coup la bonbonne a explosé. C'est pour ça que j'ai pris feu.
entend bien d'ailleurs. Ich nehme ein. Jawohl. Los, Bewegung. Ich werfe eine Nebelgranate. Allez. Geht rüber zu Bertha. On a perdu notre effet surprise. Non, c'est bon, on avait pris Alpha, j'avais pas fait attention. Hop, 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 hop. On va suivre lui là. C'est un fumigène, j'ai eu peur pour rien. Bordel. Oh, j'ai eu la peur de ma vie. In-game, bien sûr. Est-ce qu'il y a une entrée par là? Négatif. Oh merde, j'ai un tableau qui est tombé. J'ai cru que c'était une grenade, quoi. En fait, non, c'est un fumigène. Oh putain! Allez, on peut respawn, c'est parti! Enfin, il vient d'apparaître, mais il a déjà du sang sur son équipement. Il joue ou pas? Il tire sur quoi là? Non, mais c'est trop loin pour moi là. Non, y a pas d'entrée par là, je passe à côté, je passe par là. Hop hop hop. Ne tirez pas dessus. Merde, merde, merde. Putain, je fuis. Non, je ne fuis pas. Allez, bravo, il est par là. Merde, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'aller ici, garçon. Non, doucement. Ouh. J'y vais, rien à foutre. Je passe, ça passe, ça passe. Ah, ça passe pas. Faut que je fasse gaffe parce qu'il nous reste plus que 4 vagues pour pouvoir atteindre l'objectif. Alors j'ai dit que je changeais d'arme. Allez, on va prendre ça. Ça c'est du ravitaillement. Il a été largué en parachute tout simplement pour recharger les armes. Mais attends, j'ai pas compris. Ah lol, un ennemi il a sorti son couteau quoi. Il voulait me mettre un coup de couteau quoi. En fait, j'ai hésité à tirer parce qu'il avait il était habillé très foncé quoi. Il y a du monde. Et c'est un pote. Oh putain, le lance-flamme m'a fait mal. Oh, ça blague pas ça. Ça ne blague pas, hein. Vous avez vu, il était loin, direct je me suis fait brûler le visage. On est en train de le capturer là. Il reste plus qu'une vague. C'est compliqué. On va faire attention, on va rester... couvert parce que là l'artillerie jamais ça nous tombe sur la tronche. On est mieux dans un bâtiment. Oh non, attends, j'ai vérifié derrière moi, il y avait personne. Il était peut-être là-haut, en haut de l'escalier. Ah, je suis deg. Oh, je peux revenir alors qu'il restait zéro vague. Allez, le dernier assaut là pour prendre Bravo. Si on arrive à prendre Bravo, on récupère des vagues. Des waves.
va être compliqué de passer par là. Ah. Allez, on y va, il est parti. Oh non! Oh putain, je crois que je l'avais eu, ou alors c'est un autre qui a décalé. Oh, on s'est fait avoir tous les deux, quoi. Je vais rester sur sa position parce que je suis curieux de savoir ce qu'il y avait là-haut, en fait. On regarde juste s'il y a des gens... Ah bah non, c'est... Bon, il reste plus que lui. On peut dire qu'on a perdu le round, parce que ça m'étonnerait qu'il arrive à prendre la position et tuer tous les Américains. Ah, tu l'as vu, mais tire pas, tire pas. Non, tire pas. Ah, putain. Il l'a eu, je crois, mais bon. Oh, GG. Oh, GG. Oh ouais, fallait s'y attendre. C'est bien dommage. Ce match va se terminer sur un match nul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune.